Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes. 19h-21h sur TSO Radio. De retour sur TSO Radio, 19h-21h, une émission spéciale. Nous sommes le 22 juin, mardi. Nous sommes avec Peggy. Ça va bien, Peggy? Ça va. Bien, bah, qu'est-ce que je fous là? C'est beau, hein? Vous vous demandez peut-être ce que je fous là. C'est m'a appelé, il m'a dit tu veux venir, j'ai dit oui, bon bah allez. Ouais mais j'ai dit tu seras là hein. Bah, ouais, elle a demandé si j'étais là hein. Au début il devait pas être là hein, je crois que... Ah t'as eu de la chance parce qu'encore un peu j'étais pas là hein. Bah je serais pas venu. Ah merde. C'est vrai? Ouais. Il vous fallait un booster que... Bah ouais. C'est moi son booster. Bon bah on a fini l'émission. Deux speak. Cadence, on présente Cadence? Bah écoute on y va. Allez, je t'écoute. Je rentre mes questions, attends. Y'a pas de bed? Si, regarde. Si, ah, mais j'entends pas très bien, c'est pour ça. Ouais. Attends, là. Y'a pas de bed? Non, mais je pensais, c'est pour ça. Si, si. Ouais. Alors, Peggy, bonjour. Et là, on sent la connexion. Destinée. Mika, c'est mort. On va se connaître un tout petit peu, parce qu'on s'est déjà vu. Ah, oui, ouais, ouais. Même si Axel était là, mais. Je l'ai pas vu. Je me suis fait chier à organiser c'est... tout, j'ai demandé les horaires, j'ai tout demandé à la fin, on se souvient pas de moi. C'est le charisme. Ah, y a, on sent que le charisme il est pas dans les deux. Hein. Il y avait un jeune homme qui filmait, bah c'était lui. Ouais. Oui, j'étais en live. Ah bah je l'ai pas vu derrière la caméra. Pourtant c'était une petite caméra. Avec un gros sac marqué TSO Radio dessus. Mais... En plus quoi, en plus. Mais bon. Cadence, association marloise sur la danse. Et pourquoi l'association s'appelle Cadence? Ah. Regarde. Alors l'association s'appelle Cadence parce que l'ancien président s'appelait Laurent Kapriski. Donc nous avons gardé le code Kapriski et Dance. Pour la danse. Voilà. D'accord, comme ça maintenant on le sait. Bah, tout à fait, bien. Tout à fait. Et ça fait combien de temps qu'elle existe l'association? 16 ans. Mais elle a été en premier lieu, c'était Eddy et ses moussettes. Tu connais Eddy et ses... Ah bah, Eddy et ses moussettes, bah Eddy Parker. Eddy Parker. Ouais, j'ai bien compris, mais je connais Claude et ses Claudettes, mais du coup, Eddy et ses moussettes. Bah oui, mais oui. Dans ses débuts. Dans Eddy ses et ses Odettes. Non. Non, ok. Et tu te demandes pas pourquoi on se rappelle pas de toi. Les gens, je pense qu'ils font exprès de t'oublier. Hein. Ils ne veulent pas entendre parler de moi. Et pourquoi ces moussettes? Parce que son surnom, Eddy, c'était Mousse. Et donc c'est Eddy et ses moussettes. Après Claude et ses Claudettes. Eddy et ses moussettes. D'accord. Ah, d'accord, ok. D'ailleurs, il nous en parlera peut-être. Il nous en a parlé vendredi. Il nous en a parlé vendredi. Vendredi. Oui, vendredi dernier, Eddy Parker est en live avec nous. Ouais. Avec Rémi et Siavamet. Non, mais. J'ai un humour aujourd'hui. Ouais, c'est. Il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein. Ouais. Je pense qu'on va le bouffer pendant 15 jours. Est-ce que l'équipe qui nous filme est en train de faire kékette dans les coulisses? Parce que je ne les vois plus, je ne les entends plus. Non. Non, mais voilà. Ils ont déjà arrêté, ils en ont marre. Il fait chaud hein, pour faire ça. Hein. Ça fait trop mal. Ah. Donc il connaît. Allez. On peut te prendre du lubrifiant si tu veux. Non, j'ai du poisson. Du poisson. Ah. Donc, Où se situe l'association en Arles? Chez moi. Ah, on peut avoir l'adresse? Donc quand on danse, on va chez vous? Ah non, non, le siège social est chez moi. Et, oui. Et les cours de danse se passent à la salle Pierre Brasseur à Marle. Ah non, d'accord. Et qui c'est qui fait les coachs? Les coachs. Alors, de danse. On a ma fille Yann-Sophie. Elle n'est pas là? Elle travaille. Ah, ouais, nous on est tous des chômeurs ici. Bah, moi je suis une cassos. Après on a. On sait pas si c'est toi. Amandine, Charline et Julie. D'accord, donc elles sont quatre. Façon. Elles sont quatre. Ouais. Oh. Il y en a qui ont des talents de calcul. Hein. Bravo. Elles aiment la danse ou elles sont professionnelles de danse ou... Elles aiment la danse. Et elles savent danser. Bah oui. Enfin, jusqu'à maintenant, ça va. Non, elles viennent, ça leur fait chier de venir. Ouais. Ah, je suis pas très pertinent dans mes questions. Hein. On voit ça. Bon, on va faire confiance à notre président qui, lui, les a préparés. Oui. C'est que des amateurs ou il y a des professionnels aussi? Amateurs. Amateurs? Oui, oui. Et y a combien... Vous faites des représentations des... Ça ne dérange pas de poser toutes les questions tout à l'heure? Pourtant, je les connais pas. Hein. Bon, bah vas-y alors, vas-y. Il y a combien d'adhérents dans l'association? Alors, cette année, c'est un peu compliqué parce que bon, il y a eu le Covid, il y a eu la fermeture. En début d'année, j'en avais 15. Là, on a repris depuis 15 jours, elles sont 9. Et ah, bon, bah, je pense qu'on va, on va attendre la saison prochaine pour. Donc, ça va bah, sinon, quoi. C'est 20. En gros, je limite à 20. 20 personnes, pas plus? Non, pas plus. D'accord. Parce que c'est beaucoup de travail et.
c'est pas plus mal. Ouais, je ne dis plus rien parce que j'ai peur de prendre tes questions. Donc c'est ça, c'est pose, que moi je veux bien rebondir, mais. Pose, puis je dirais si. Bah oui, tu vas m'engueuler. Puis qu'est-ce que tu veux dire après? Mais combien? Vas-y, non. Combien coûte une adhésion chez vous? 40€. 40 euros. Et c'est, 40 euros. Est-ce que dans l'adhésion, il y a un maillot offert peut-être? Bien ou... sûr. C'est ça? Bien sûr. T'as été voir. Non, mais... ouais, c'est vrai parce que là, ça va se faire une question ciblée. Parce que moi, dans mon club de course à pied, on a un maillot. Donc, maillot, bonnet, etc. Donc, chaque année. Et je fournis tous les costumes aussi. Ah, d'où 40 euros peut-être? Parce que nous, on fournit rien, par exemple, à notre association, mais c'est 10 euros. Un stylo. C'est nous qui devons. Un stylo. Et il y a une casquette aussi. On a toujours pas de miroir. Il y a la casquette, il y a le t-shirt, il y a les tasses. Et même moi, j'ai mon t-shirt Cadence. T'aurais pu le mettre. Deux casquettes. T'aurais pu le mettre. Ouais, c'est vrai. La casquette. J'y ai pas pensé. Mais bon. Pardon, tu veux peut-être rebondir, non? Mais j'ose plus. Tu sais, tu m'as bridé là. Quel genre de danse proposez-vous? Moderne. Que de la moderne? Moderne. C'est quoi de la moderne? Excuse-moi, bah, ça fait moderne. Pas de... Non, bah, j'ai pas... non mais ça représente quoi parce que... c'est pas de l'oriental. C'est du moderne. C'est quoi de l'oriental? Tellement je t'aime. Oriental, c'est pas de la zumba, c'est... C'est du moderne. C'est les chansons. Qu'on... C'est du hip-hop? Non. C'est du moderne. Pas non plus. Je vais aller voir sur YouTube, vas-y. Ouais, va voir. Marche. Là, mercredi, on voit, on a fait petite nouvelle chorégraphie de Moussier Tombola, Allez les Bleus. Ah oui. Juste pour dire, leur faire travailler un petit peu. Mais là, normalement, on doit se poser sur l'hymne de l'Euro. Et sur vos adhérents, c'est tout confondu? C'est qu'un groupe qui danse tous ensemble, oui, de tout âge confondu? Oui. Elle a plus jeune à quel âge? 4 ans. Quand même. 4 ans. Donc c'est à partir de quel âge qu'on peut s'inscrire? 4 ans. C'est l'âge. Ça aurait pu être 3 ans. Ça aurait pu être 3 ans. Je crois que même toi, quand tu rebondis sur toi-même, ça marche pas. Ben, ça aurait pu être 3 ans. 3 ans, on peut si elles ont 4 ans dans l'année. Mais après, on essaye parce que c'est pas une garderie non plus. Quoi. Ah. Vous avez compris, donc les gens qui ont des enfants de 3 ans. Les parents, Cadence, ce n'est pas une garderie. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Quoi. Non, mais on connaît tous les parents qui viennent déposer leurs enfants aux associations, que ce soit la danse ou ailleurs. C'est ça. Et puis la danse, c'est un apprentissage assez compliqué quand même. Plus, donc 3 ans. C'est fatigant. Ouais. Ils sont petits. On sent que quelqu'un qui a donné des cours à des gamines de 4 ans en danse. Hein. Ça sent le vécu. Imagine que tu signes à la danse. Mon Dieu. Ah bah, faut les canaliser, hein, mais c'est pas évident en fait. Hein. Ouais. Bah, c'est pas facile, même. Ça bouge en tous les sens. Hein. C'est petit. On n'est pas qu'à 4 ans. Hein. Ah bah, à tout âge. Non, je ne reprends pas. Tu es encore là quand même. Oui, je suis là, mais je ne marche pas sur les plates-bandes du président. T'as trouvé sur YouTube Non, c'est ça qui me pose problème. Si, j'ai vu la moderne et cherché Cadence. C'est. La danse moderne, c'est. On va voir ça pendant la pub. Si tu n'as pas du hip-hop, tout ça, c'est des spécialités, si tu veux. C'est un certain type de danse. Du moderne, c'est. Ah, c'est pas du classique, tu vas pas faire pointe de demi-pointe de. Voilà, c'est du moderne. Ouais, mais c'est pardon. C'est quoi du chocolat? Bah, c'est pas de la confiture. Ok, bon, c'est du moderne. On rappelle que c'est pas l'intelligence de cette équipe. Bah non! Tu vois toutes les sortes de danse, et c'est pas ça. C'est pas ça là. Tu vois? En même temps, les bras cassés, bah. Ah là, voilà, je voulais changer l'année prochaine, mais. Enfin, pas de bras cassés, mais d'intitulé, bah non, on va le garder. Ouais. On va se retrouver dans quelques instants. Voilà, ça c'est mon rebondissement. Ça, c'est qu'on va se retrouver pour une fois. On respecte les times. On se retrouve sur Tresso Radio dans quelques instants. Tresso. Toujours. Tresso Radio. J'ai dit Tresso Radio. Tresso Radio. Oh, elle va faire fou. Restez là. On continue avec Peggy pour l'association Cadence de Marle. D'ailleurs, ils peuvent. Les inscriptions sont ouvertes. Oui. Donc des aujourd'hui, on en parlera après alors dans ce cas-là. J'ai déjà eu des appels. Ah, ça veut danser, hein. Et faut pas forcément être de Marle. Ah non. Donc moi qui suis de qu'à côté de Tracy sur Serre, je peux venir bouger mon boule. Non, pas moi. C'est ce qui s'appelle se prendre un stop. Alors quand vous regarderez les vidéos, vous verrez le regard de Peggy qui est. Non. Faut les canaliser à cette âge. Faut les canaliser à cette âge. Avec Sébastien, on peut pas venir faire un petit cours. Non. Ok. J'ai dit non. Bah, c'est tout. Mais pourquoi? Non. Pourquoi on peut pas venir? Ah non. On a dit 4 ans. Elle a dit non. Petit 44. Ah dommage. Allez. Il y a que Vince qui a le droit. Oui, bah oui, il y a que bien.
On se retrouve tout de suite sur TSO Radio, à tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.